En tout cas, c'est un donjon dans lequel je pourrais revenir, a priori. Puisque celui-ci n'a pas... ne s'est pas effondré. Ouais, je vais voir, Evan. Ouais, je vais faire le nouveau Zelda jambon. Et je me tâte à faire Breath of the Wild, le refaire. Avant la sortie. Mais je sais que ça va être un petit peu chronophage. Donc j'hésite un peu. Remédie, est-ce que tu as je sais pas, faut que je regarde. Attends, je vais aller voir là-haut. Je sais même plus comment on appelle ce vendeur. Le sorcier. Je sais même plus où c'est d'ailleurs, c'est là. Tu m'as dit quoi déjà pour le heal de groupe? C'était ça, non? Mais du coup, ça fait pas un heal de zone. Aïe, aïe. Augmente la réactivité. Non, tu m'as dit autre chose. Mousse feu. Jette mal sur arme. T'es sûr de toi là? Et remédie. Bah, de toute façon, c'est dans les sorts blancs. Je crois que je l'ai pris, ouais. Ça doit être ça, non? Retrouve esprit. J'en sais rien. Récupère PF partiel allié. C'est une catastrophe cette traduction, sérieux. Évite une attaque. Absorbe magie. Ça, je me demande même pour Emma si ça me rend pas des PM. Si c'est pas en fait d'absorber les PM plutôt que la magie, ça n'a pas de sens ce truc. Je vais le prendre. À mon avis, la traduction anglaise va être meilleure. Bah oui, suction. Évidemment que c'est ça. IGO en noir. Ça fait quoi ça? Attaque spirituelle, hasard. Bon, on va le prendre, je sais pas ce que ça fait. Valkyrie, d'accord. Bon. On testera, on verra ce que ça fait. De toute façon, si je peux pomper les PM des ennemis, on va pouvoir se lâcher un peu plus. C'est vrai que jusqu'à maintenant, j'hésitais un petit peu avec Cécilia. Enfin, j'ai essayé de ménager ces PM. Bah, parce que les magies carottes, j'en ai 11 et je sais pas à quel point ça va partir plus tard. Mais là, ça va aller mieux. On va pouvoir faire des bêtises. Alors, il faut qu'on aille voir l'autre avec son bracelet. Merci. Voici le bracelet que j'ai offert à ma femme. Tu l'as trouvé pour moi dans le jardin? Si seulement nous pouvions distinguer le courage de la stupidité. Quand ma femme est morte, j'ai appris dans la douleur la vraie valeur des choses. Courage et stupidité. Beaucoup pensent que le courage est le pouvoir. Le vrai pouvoir, c'est de dépasser ses propres désirs pour protéger un être cher. Le courage grandit lentement, Jack. Vision sonique. Le navire marchand est donc ici. Alors, nous pouvons traverser la mer intérieure. La marée charrie des débris de toute la mer intérieure. Récemment, les restes d'un bateau fantôme ont échoué sur la plage. Un bateau fantôme? On ne peut pas encore partir. Vérifions d'abord cette chose. Ah bah oui, ça c'est le passage obligatoire, hein.
Ah, Géo, essaye de mettre inverse. Non, mais je verrai plus tard, alors j'en ai plus des portes emblèmes. Le bateau est finalement arrivé, mais le courant a aussi apporté un bateau fantôme. Et je le vois d'ici, un bateau fantôme vient vers nous. Bon, faut aller sur le port, je pense. Pas sur le quai. Cette ville mérite son nom maintenant qu'un bateau fantôme est arrivé. Et je me demande si on va l'appeler le repos vaisseau fantôme. Juste avant l'arrivée du bateau fantôme, un navire marchand, la douce Candy, je crois, est entré au port. Tiens, tiens, tiens. Ils ont quoi comme arme, qui ça? Vous ne vouliez sans doute pas revoir notre capitaine. Mais si la situation empire, nous allons perdre nos clients. Aidez-nous de grâce. Et très certainement... On dirait que vous apparaissez toujours au bon moment. Mes anges gardiens. Pouvez-vous encore m'aider? Allez! Je veux que vous liquidiez ce bateau fantôme qui effraie tout le monde au port. Si vous réussissez, les gens du port seront de nouveau en paix. Nous reprendrons le commerce. Et on se souviendra de vous comme des chasseurs de rêves qui ont sauvé le port. Vous voyez, tout le monde y gagne. N'est-ce pas un plan magnifique? Eh, doucement, vous devez d'abord vous préparer. Revenez quand vous serez prêts. Le village, j'ai déjà tout acheté. Il n'aurait rien demandé s'il n'y avait pas de fantôme. C'est quand même un bon gars. Pardon? Il a essayé de nous marier de force, mais à part ça. Nous sommes prêts, on y va? Ouais. Bon, nous allons passer de la douce Candy au bateau fantôme. Reviens au bateau si tu as des ennuis. Nous t'attendrons ici. Enfin, on peut quand même revenir en arrière si jamais ça devient trop chaud. Il est abîmé par une longue exposition à l'air marin. J'ai l'impression qu'il n'y aura rien dans les barils. On va commencer par là. J'aime bien en vrai les bateaux fantômes dans les RPG. On y échappe rarement, hein, mais... Je sais pas, je trouve ça cool. Jack. Ah! Comment elle s'appelait déjà hier, Jessica ou je sais plus quoi? Non, c'était pas ça. Enfin, maintenant c'est Christine. Christine and the Queen? Alors, qu'est-ce qu'on va balancer là-dessus? Ah, 4 ennemis, 4 groupes. Je cherche l'erreur. Magie de terre. Oh, tiens, on va essayer ça. Ah, c'est trop bien, ça touche tous les ennemis. Bon, bah, je valide. Tu m'as donné envie de rejouer à Wild Arms. Des poussières, la PSP. De l'émulation sur PSP, elle est vraiment trop bien cette console. Hein. Et encore aujourd'hui, c'est ça le pire.
En vrai, le sort là qui balance sur tous les ennemis, quel que soit leur type, il est vraiment trop bien si j'arrive à piquer des PM aux ennemis. Hein. J'ai tous mes jeux PS1 dessus. Donc t'as Xenogears. Attention, c'est une question piège. Ah, c'était juste pour ça? Non, il y a un autre passage. Peut-être pas. Hein. Y a pas l'air. Quelque part, tant mieux. Ok, on va faire ça. Ça. Et Cécilia, on va tenter le succion. Ah mais non! Non, c'est nul. Absorbe magie pour Emma. Ah, attends, attends. En gros, je pique ceux des potes. Ah non, bah dans ce cas, c'est nul, hein. J'ai rien compris. Je viens de regarder, oui, je l'ai. Même Grandia. Ah, Grandia, elle est super. J'ai découvert très tard Grandia. L'année dernière, si je dis pas de bêtises. Ou il y a 2 ans. J'ai un petit doute. Mais c'est censé faire quoi, succion, là? Je comprends pas. Attends, je crois que j'ai compris. Je crois que quand ils me font des sorts, ça me fait récupérer des MP. Parce que là, sauf erreur de ma part, elle vient de reprendre 16 PM. Ouais, elle est full. Ce serait ça? Et donc je peux même le mettre sur un autre personnage, puisque je l'ai mis sur, sur Jack. Et lui aussi, il a... Non, j'en avais pas utilisé sur lui, donc c'est pour ça qu'il a rien récupéré. Ah, c'est pas mal pour le coup. Eh, attends. J'avais oublié un truc. J'avais déjà oublié que j'avais ça, moi. Ça marche pas. C'est nul. Peut-être que d'abord je le fasse sauter. Pas les jeter. Donc c'est avec le Han Pan. Peut-être par là. Ouais, Grandia, je l'ai fait sur sa version Steam, il est vraiment très bien. Hein. Ouais, peut-être que je débloque le sort là. D'ailleurs, je préfère le bateau fantôme de Grandia. C'est pas pareil, effectivement. Bon, pour le coup, là, ça vaut pas tellement ce que ça m'a coûté. C'est pas foufou, quoi. Vaut mieux faire un sort classique quand ils sont tous les trois. C'est quand il y a des ennemis très différents qu'il faut faire l'autre sort, je pense. En tout cas, ils ont dépassé tous les 1000 points de vie, ça c'est cool. Je présume que le vaisseau fantôme, je pourrais pas y retourner. Quelqu'un sait comment on le récupère, ce coffre-là? Ah!
Donc si je fais ça ici. Peut-être que je le place vraiment au millimètre près. Ah ouais, c'est un boomerang le machin. Hein. C'est la même chose, hein. C'est le meilleur handpan. J'avais dit que je testais ça, ouais. Ah, il y a encore deux groupes. Mais quel enfer! Est-ce que j'aurais pas genre énormément de bol? Parce que vous m'aviez dit que les sorts on les maîtrisait pas si facilement. Ou alors c'est parce que c'est encore les premiers. Et là c'était la première fois que je le lançais celui-là. Je sais même pas ce qu'il fait. Je te honnis? Quoi? C'est quoi ça? L'âme cura récupère des PF et statues alliées. D'accord. C'est bien ça, à quel point. On va tester. Ça leur a mis full, mais je sais pas jusqu'à combien ça peut aller. On verra. Sur un boss, j'aurais peut-être besoin de l'utiliser. Et au chapitre 9 sur 30, t'es pas au bout? Certes. Bah, j'en savais rien du tout, du coup. Le tiers du jeu? Bah, ça va. Je crois que c'est des trucs qui se poussent, ça. Au hasard. Finalement, les cartes chance, Gar m'avait suggéré de les garder pour des boss plus costauds. Bah, je vais le faire malgré moi, quoi. Hein. Parce que j'oublie de les utiliser. Après j'ai combien d'heures sur le jeu? Une dizaine d'heures, un peu plus. Donc chapitre 9 sur 30, ouais ça fait 30 heures. Ça va peut-être s'accélérer après aussi, je sais pas. Mais c'est ce que j'avais vu pour le finir quoi. Entre 25 et 30 heures. C'est ce que m'avait dit Yann. Ah super, sur la bonne cible je crois. Bah c'est sur tout le monde de toute façon. En fait le sort il est parfait pour cet endroit là. Parce qu'il touche toutes les cibles. Donc dès qu'il y a cela il suffit de balancer suction. Suivant de Solus, il y a quelques chapitres annexes dedans. D'accord. Bon on verra pour ça. Hein. Bon c'est surtout l'aventure principale que je voulais faire. Ah d'accord, ça m'a ramené ici. Très bien. Ça va être tout noir.
Laisse-moi mourir, je ne veux plus être un pirate. Délivre-moi de ces ténèbres. Ok. Un cybergiste. C'est quoi ça, un cybergiste? Il a rien à piquer en tout cas. Faut que t'as passé le boss Z. Oui. C'est le Gugus qui est venu m'attaquer sur le bateau. Je l'ai passé hier. Un aubergiste qui fait dans le cyber. On peut pas faire dodo là-dedans. Bon, le squelette était intéressant. Je crois qu'il m'a filé pas mal d'XP en vrai. Attends, je suis allé ici? Non. Les morts ne parlent pas. Mais attends, je suis en train de revenir en arrière ou quoi? Non? C'est une impression. Nous sommes des marins. Pillage et contrebande sont notre lot quotidien. Nous continuerons à combattre, même si nous nous faisons étriper. Ouais, la musique était sympa, c'est vrai, gars. Salut, au fait. Tu viens d'arriver, non? Jusqu'à maintenant, j'essaie de voler tous les boss, mais ils ont jamais rien, les boss, à voler. Ou c'est une impression? Pardon? Pourquoi tu t'es couché là? Bah, du coup, je vais tester le revive. Hein. Retrouve esprit. Je présume que c'est une raise. J'en sais rien. Le meilleur moyen de savoir, c'est de tester. Hein. Heureusement qu'il y a le nom anglais pour nous mettre sur la voie. Hein. Je sais pas si t'as dit bonjour, j'ai pas vu ton message, je crois. J'ai peut-être pas fait attention. Vu qu'on peut piquer les PM, on va plutôt faire ça. Il y a un bouton. Oh non, mais ça se trouve, il y en avait plein d'autres. Ah, c'est ça? Attends, c'était pas optionnel, ça? Combien d'XP pour gagner un niveau? Bah, ça dépend. Optionnel. J'ai dû oublier, mais je suis sur plusieurs forums ce soir. Ça cause pas mal sur Dragon Ball. Ah. Elles ont des sales têtes, ces poupées, hein.
J'aurais peut-être quand même dû faire les trucs qu'il y avait là-haut avant de venir ici. Comment je vais faire? J'en ai aucune idée là. Ou alors je vais débloquer un outil encore. Oh là là, il y a 50 000 endroits là. Profite d'XP ici, toxique. Bah tu sais, à mon avis, je vais rester bloqué encore un moment. Bah, c'est pas dit. On verra. Le truc, c'est qu'il faut pas rencontrer le boss trop vite, quoi. J'en ai pas tué un seul parce que j'ai pas ciblé le même. On va inverser plutôt ça, ça. J'en profite pour il maintenant vu que j'ai pas tout le temps. La force nécessaire pour le faire sur tous les persos. Un petit là 200, ça suffit. Ouais, un autre outil, ce serait bien, effectivement. Au hasard, ici. Ah bah non, une carte chance. Alors, il y a un autre coffre à gauche. Je pense que c'était vraiment pas optionnel, hein, le passage que j'ai débloqué. Moi je venais d'en bas. Et ça va être pour le coffre. Oh, ça sent la suite ça. Du coup j'ai envie de revenir en arrière un petit peu quand même. Parce que j'ai laissé beaucoup de choses de l'autre côté. Comme l'a suggéré Evan, bon là, je ferai pas tellement exprès, mais ça va me faire pex quoi. Ouais, je sais, Nanatoro, c'est pour ça que je reviens en arrière. Pour moi, un cercle de sauvegarde, c'est un boss, effectivement. Alors, on va plutôt dégommer les poupées, comme ça c'est fait. Et elle va faire un petit. Je sais pas. Spark, c'était bien, mais. Ça prend trop. Ouais, elle va taper à la main de toute façon. Je pourrais pas le tuer en un tour, je pense. Elle aura même dû taper la poupée, je pense. Rudy, je suis pas sûr qu'elle les tue en un coup. Ah bah si. Avoir foi dans le produit. C'est vrai que ceux-là sont intéressants, 1300 d'XP et 1000 Gela.
si j'y passe un petit moment, effectivement. Spark. Auto Blast. Pas suffisant. Par contre, ça, à mon avis, ça va suffire. Ok. Je vois pas de quel village te parle, Evan. D'autant plus là, des villages, je suis pas prêt d'en voir pour le moment. Alors. Donc j'avais fait certaines portes, j'avais fait ces deux-là, je crois. Oui, parce qu'elles sont ouvertes. Il m'en restait qu'une en fait, j'étais pas allé jusqu'au bout. Oh le naze. À tous les coups, ça montre le passage secret. Il y a un bout de papier plié dedans. C'est derrière une porte dérobée, personne ne sait qu'il y a un bouton caché sur le côté du lit. D'accord. Moi je l'ai trouvé par hasard quoi. Squelette déglingué. Oh non, je suis revenu juste pour ça. Je parlais du village avant d'aller au bateau fantôme. D'accord. Mais est-ce que ça m'aurait servi pour le bateau fantôme ou pas? Je veux dire, est-ce que les trois coffres, du coup, je peux pas les ouvrir? Peut-être. Non, ça permet juste de savoir si t'as trouvé tous les objets. De toute façon, s'il y a bel et bien un outil, qu'est-ce que je fais? Oui, je peux faire ça en vrai. S'il y a bel et bien un outil, on est obligé de tomber dessus, je pense. Parce que ça servira pour la suite. Et ce qui m'étonne, c'est que les trois coffres, ils sont avant le point de sauvegarde. C'est un cheat code, le radar. Bon, ça te permet juste de savoir si t'as tout récupéré. Ça te dit pas où ça se trouve, si j'ai bien compris. Est-ce qu'il y avait un autre passage là-haut? Je crois pas, hein. Non, c'était le sol. Du coup, je peux repartir dans le passage dérobé. Et poursuivre vers le point de sauvegarde cette fois. Fox, tu l'as essayé, le chat GPT? Ouais. Carrément.
J'ai essayé ChatGPT, j'ai essayé Midjourney, dans un tout autre registre. Enfin, tout autre, pas vraiment. Il y a un truc dont j'aimerais bien, enfin que j'aimerais bien essayer. Pareil, c'est une IA de génération d'images. Mais j'ai oublié le nom. Ouais, c'est trop bien, ouais. C'est incroyable hein, ce que ça fait. Et c'est que les prémices, mon ami. C'est au village, c'est sûr. Ouais, mais c'est pas grave, je veux dire. Evan, ça me permet pas de ramasser les trois coffres qu'il y a là. Donc que je l'ai pas pour le moment, ça change pas grand-chose. C'est quoi Midjourney? C'est une IA pour générer des images. À partir de mots-clés. Et c'est très puissant. Bon, par contre, ça fait un peu débat. Hein. Côté artiste et tout ça, ce que je comprends. Puisqu'il y en a bah, qui s'en servent pour se prétendre artistes. Et qui vendent les images comme étant faites à la main, tout ça, enfin bref. En tout cas, les artistes ils flippent pour leur taf vis-à-vis de ça, quoi. Ouais, je peux le faire. Je crois que c'est comme ça. De toute façon, tu vas trouver avec ce nom-là. Ouais, je vois pas de moyen de les récupérer là tout de suite. Les bombes, je peux pas les lancer. Le cafard là, je peux pas le lancer non plus. Enfin, si, je peux le lancer, mais il pète pas les trucs. Et ça marche pas dessus. Donc je pense qu'il me faut un outil supplémentaire. De toute façon, il restait un coffre là-haut. Il y en a un tout à gauche que j'ai pas encore pu récupérer. Ça va peut-être être sur la suite. On va se refaire une save. Le voilà, le coffre. C'est pas ce que je pensais par contre. Oh, ça c'est la suite. Et du coup, comment je les récupère les trois coffres? Quelqu'un a une idée? Adieu les lettres de motivation qui prennent 100 ans à faire. Ah oui, bah tu vois, il y en a qui vont gagner du temps. Hein. Bon, je crois que je vais m'asseoir dessus. Hein. Les morts vont errer sur la terre déserte maintenant. Célébrez notre gloire par vos vies. Ah, il s'en kikine pas en dialogue, lui. Alors c'est parti, on va pouvoir y aller à fond les ballons sur la magie là. Bah tiens, on va utiliser peut-être une carte chance cette fois. Et je vais essayer de mettre le sacré sur les armes là. Je crois que j'ai la magie pour. Vu que c'est un undead. Sinon, j'augmente la magie. Enfin, je pense que c'est la magie. Ah non, je l'ai pas pris le truc avec le sacré.
On voit le manque de polygones par contre, ah bah oui. Hein. Ah c'est de la résiste magie. Bah, faudrait que je le mette sur la description. Moi je pensais que c'était un up. Ah, personne de paralysé. Boule naze. Je l'ai pas fait, enfin je l'ai fait jusqu'à maintenant. Là je l'ai pas fait, donc on va quand même essayer de le voler, on sait jamais. J'ai oublié de lui défoncer sa défense. N'a rien. Mais... Dommage qu'ils aient pas mis d'objets sur les boss à piquer. Enfin, je vais le faire tellement mal là. Ou pas? J'ai trouvé le moyen de rater avec 95% de chance de toucher. Effectivement, je fais un petit peu plus mal. Et ce que j'aimerais voir, c'est Rudy. Ça va, c'est correct, 400. Un petit peu plus, ouais. Bon, il n'y a pas de secret, hein. On fait les mêmes techs. Je vais essayer une magie de terre éventuellement. Ouais, depuis que j'ai amélioré l'arme à mort, les combats de boss ils font pas un pli. Hein. Ah, c'était pas mal, 15 000 gélins. Et donc? Peut-être prendre le petit chemin en bas là, mais... Je vais retourner voir mes coffres, moi. Peut-être qu'ils sont accessibles maintenant. Non, m'embête. Ce que je vais faire. Dans le doute, s'il y a besoin de rattraper un truc, je pourrais le faire. Quitter le bateau. Non, je peux pas les lancer les bombes. En tout cas, je sais pas comment faire. Ah ouais, donc là, c'est mort pour les coffres. Hein. Sauf si je recharge la sauvegarde.
Bref, Jean, voilà deux fois que je bénéficie de votre aide. Ma fierté et mon honneur me commandent de vous offrir l'usage de mon navire. Il vous servira à parcourir la mer intérieure. Au fait, pourquoi donc traversez-vous Filgaia? Il raconte toute l'histoire à Bartholomé. Les démons, les gardiens, la perle Sésame dérobée. Bon sang, je ne me doutais vraiment pas de la situation. Mais c'est très exaltant. La douce Candy et moi allons nous occuper de la mer. Capitaine, j'ai une faveur à demander. Je suis d'Adelaide et la ville a été détruite par des monstres. Je veux aller la reconstruire. C'est vrai, tu étais architecte. Ne t'en fais pas pour nous. Nous nous en sortirons. Va reconstruire ta ville. Merci pour tout. Je vous le revaudrai. C'est pas anodin, ça, si? Il est bourré de talent. Il va sans doute rendre Adelaide plus belle qu'avant. Bon, nous allons préparer notre départ. Rendez-vous à la plage, à la sortie de la ville. On va quand même faire un saut à l'auberge. Et remplir le flingue parce que ça j'oublie tout le temps. Ah ouais, pas mal, 63 000. Donc on arrive à rester positif après l'achat des armures. Oh, en bas à gauche du village. Qu'est-ce qu'il y a en bas à gauche du village? Evan, des fois tu parles par énigme, c'est très compliqué de te comprendre. En bas à gauche du village, il y a ça. Est-ce qu'on l'améliore à fond? L'intérêt est quand même moindre là, hein, puisqu'on les recharge à chaque fois. On va peut-être plutôt améliorer celui-là. Mais je vois pas s'il y a un effet particulier. Émetteur laser, canon portable, individuel. Ah, ça c'est groupe! Il y a carrément un intérêt. On va déjà mettre ça et on va voir après. Ah, je sais pas s'il y aura des boss en fait qui balancent des attaques de zone, des trucs comme ça. Bon, il a dit direction la plage. Ah ah. Ouais, je voulais voir si je pouvais balancer les bombes, mais en fait. On peut pas. Salut Cray. Cette douce musique, oui. Le village Milama? Il est pas par là le village Milama, je peux pas y aller là. Ah bah oui, les voilà les coffres. Donc je les ai pas loupés en vrai. Une girouette. Mais il y en a, ils ont dû rester dans le bateau jusqu'à essayer de les avoir à tout prix. Ils ont dû passer 2 heures dedans. Je suis curieux de voir la suite. Plus de vaisseaux fantômes, j'espère. Je crois qu'ils ne savent pas faire les bruits de pas dans le sable. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure. On s'est posé la question comment l'ingé son il a fait ça. Du coup, faut aller sur le port. Pourquoi il a parlé de la plage, lui? C'était pour me dire qu'il y avait des coffres, en fait. Il y a quoi en bas à droite du village? J'en sais rien.
Comment tu veux que je sache ce qu'il y a en bas à droite du village? Enfin, je comprends pas ta question, Van. Comme je t'ai dit, tu parles par énigme, c'est très compliqué. En bas à droite du village, il y a ça. J'ai l'impression qu'en fait, t'essayes de me mettre sur la voie, donc... Je sais pas. De toute façon, je pense que je dois sortir.